tout bon? Ouais. Parfait. Nickel. Alors dis-moi, comment tu vas? Écoute, très bien, et toi? Eh ben ça va, là le repos, donc on en profite, on rattaque demain tout le week-end, donc ouais, on en profite, on en profite. Ouais, moi aussi, je serai en congé demain soir, donc j'ai hâte. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Ouais, c'est clair. bien. Oui, et puis en plus avec le corona et tout, c'est pas facile, ouais, j'avoue que. Ouais, en ce moment, la situation n'est pas facile, n'est facile pour personne, on va dire. Ouais, c'est clair. Bah moi je suis pas touché, donc ça va encore. Nous on n'a Ouais. pas encore les restrictions, donc pour l'instant on touche du bois, mais on a Saint-Étienne, mis. toi, alors, c'est ça? Je vois les chars Non, moi derrière. je suis vers Clermont, moi. Supporter de Saint-Étienne. Supporter de Saint-Étienne, ouais, c'est ça. Ouais, nous, chez les Ch'tis, on est vraiment ouais, concernés. Je veux dire, il y a énormément de cas en ce moment. Enfin, ça touche même nos proches, en fait, hein. On commence à avoir de plus en Ouais. plus de personnes autour de nous qui sont. Mais bon, voilà, passons justement. On a pour nous changer les idées notre échappatoire des jeux Ouais, c'est vidéo clair. qui nous permettent de C'est nous clair. échapper de ce monde de dingue. Tout à fait, c'est exactement ça. On passe à autre chose avec le jeu vidéo, ça nous. On oublie tout ça, on est dans un autre monde et franchement, c'est génial. Donc voilà, je voulais faire une petite interview de toi. Hein. J'essaye de faire un peu des interviews de tout le monde, hein, de passionnés de jeux vidéo. Eh ben merci. Ça m'a pris d'un coup comme ça et j'ai dit allez pourquoi pas et vu que j'étais en contact avec toi j'ai dit bah allez on est parti. Donc je voudrais que tu te présentes du coup ce que tu fais dans la vie, pourquoi cette passion de jeux vidéo, tout ça, vas-y, je t'écoute du coup. Ah ben écoute, je m'appelle Jérémy, dans la vraie vie. Je suis responsable immobilier dans une administration. Je gère les chantiers, les contrats, la maintenance, enfin un peu tout ça pour les bâtiments d'une grande administration. J'aime beaucoup mon boulot, hein. Je le fais depuis une vingtaine d'années maintenant. Et mon échappatoire, justement, c'est premièrement bah, ma famille, forcément, avec ma fille, mon fils et ma femme, mais également cette chaîne YouTube qu'on a ouverte il y a 6 mois maintenant. C'était le 13 avril. C'était en plein confinement, on s'embêtait avec mon fiston et lui, c'est son rêve depuis des années. Moi, j'y connais absolument rien. YouTube, il y a 6 mois, c'était vraiment un truc que je découvrais. Je veux dire, à part deux, trois chaînes que je regardais parce que mon fils les regardait et il m'a donné envie de les voir. Donc, Julien Chiez, principalement. Parce qu'en fait, le matin, quand on part au collège, lui, il regarde des vidéos YouTube, tu vois. Au lieu de parler à son père, il regarde des vidéos YouTube, on va dire. Et c'est de fil en aiguille, j'ai écouté un petit peu ce que. Enfin, j'écoutais, hein, ce qu'il se disait. Et c'est vrai que il en regardait beaucoup. Lui, il est vraiment gros consommateur de YouTube. Et quand j'ai entendu Julien Chies, j'ai dit franchement, c'est vraiment bien. Je me reconnais dans ce qu'il dit. On est à peu près d'âge en plus. Donc forcément, il y a des similitudes. Il y a eu Chris Liberty. Enfin, voilà, il y a des personnes comme ça que j'ai apprécié écouter. Moi, sinon, principalement, j'étais magazine, donc abonné à Jeux Vidéo Magazine depuis très 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 longtemps. J'ai toujours été magazine papier. Et puis, donc, on a profité du confinement, on s'est dit, et pourquoi pas? En fait, il y a un mec qui m'a vu passer, enfin, c'est tout bête, c'est qu'en regardant Julien Chies, systématiquement, j'avais envie d'intervenir, un peu comme tout le monde sur le chat. Donc, tu as 100 000 personnes sur le chat qui sont là en train d'essayer de passer un message, et c'est vrai que. Moi, je vois déjà quand on fait un live avec 30 personnes, j'arrive pas à voir tout le monde. Donc, je me dis avec 100 000 personnes, enfin, c'est. Ouais. Ou 10 000 même. Enfin, je veux dire, c'est une usine à gaz, c'est un truc de fou. Donc, je me suis permis de lui envoyer un message à Julien. Et il m'a répondu, il m'a téléphoné, il m'a dit, si tu veux, tu participes. J'ai participé à son émission vraiment en tant que novice. Enfin, tu vois le papa qui passe à la télé. Je dis à mon fils, viens, viens, viens te montrer et tout, tu vas être content. Enfin, c'était vraiment total ramasse. Mais on a passé un super moment. Et de là, il y a un gars qui nous a regardé qui s'appelle Sonic System, un mec de Bordeaux. J'avais jamais entendu parler de lui et qui m'a dit, franchement, t'as été top. Tu devrais te lancer. T'es à l'aise face caméra. Et voilà. Et le confinement est tombé. Mon fils qui me dit depuis 2-3 ans, on devrait faire une chaîne. Voilà. Toutes les étoiles étaient alignées. On s'est dit, on va tenter quelque chose. Mais très honnêtement, c'était surtout pour le cousin Lucas, enfin, tu vois, les copains, mes meilleurs amis. On s'était dit, bon, si on a 3 vues, bah, c'est tout, on laissera tomber. C'était surtout pour nous amuser, nous, en fait, pour avoir des souvenirs père-fils. Et si on a 20, 30 abonnés, on s'était dit, bah, écoute, ça sera sympa, on va continuer.
Et puis, bah, voilà, en 6 mois de temps, on se retrouve à quasiment 1200 abonnés. Ça nous dépasse un peu. Mais c'est une super aventure, plein de gentillesse, plein de bienveillance. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a énormément de passionnés comme nous qui rêvent de prendre la parole. Et c'est un peu, on va dire, l'objectif aujourd'hui de notre famille de geeks, c'est de donner la parole aux passionnés comme nous, parce qu'on a tellement apprécié pouvoir, enfin, que quelqu'un comme Julien puisse nous proposer de parler. C'est hyper important de pouvoir s'exprimer, que là, on s'est dit, bah, si on peut aider diverses personnes à avoir le sentiment justement de pouvoir s'exprimer, c'est génial. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire. D'accord, bah écoute, c'est super. Par contre, j'ai un petit problème avec ta caméra, elle est un peu floue. Ah. Est-ce que c'est... Ouais, t'es un peu flou du coup. Ça va mieux? Parce que des fois, quand justement, moi je la vois nickel en plus. Ouais, bah c'est peut-être par rapport à mon Skype, peut-être. Ouais, c'est oui, bizarre, c'est... attends. Je pense que ça rendra mieux sur la vidéo après. Fenêtre. Alors attends. Je sais pas du tout comment faire. Alors, ouais, parce que moi je vois nickel. Ouais, non, mon image elle est nickel, nickel. C'est peut-être ouais, le c'est débit bon. aussi, hein. Ouais. C'est peut-être le débit Ouais, internet qui peut. c'est peut-être ça. D'accord. Donc bon bah du coup voilà, donc t'es passionné, hein, donc tout comme moi. Et je voulais savoir, donc du coup on approche de la next gen, hein, du coup les nouvelles consoles, hein, Ouais. PS5, Xbox Series X, Xbox Series S. Et je voulais savoir ce que t'en pensais de cette next gen. Est-ce que pour toi ça arrivait peut-être trop tôt? Ou peut-être il aurait fallu peut-être attendre un peu au vu des conditions qu'il y a eu avec ce plus, hein, malheureusement, des E3 annulés, des Paris Games Week annulés, plus les mêmes temps de communication. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais et voilà, donner ton avis. Écoute, c'est un sujet vaste. On a fait pas mal d'émissions effectivement sur le sujet parce que la réponse n'est pas simple. On est français, donc quand on est français, on est râleur. C'est-à-dire que s'ils sortent la next gen maintenant, on dit punaise, c'est trop tôt. Et s'ils la sortent en mars, on dit punaise, on aurait bien aimé l'avoir avant. Donc ça, c'est typiquement français. C'est-à-dire que moi, le premier, j'ai dit, il faut surtout pas la sortir en fin d'année. J'aurais trouvé ça beaucoup plus judicieux de la sortir en mars. Les jeux auraient été mieux finis. Je veux dire, là aujourd'hui, moi ça me bouffe quand j'entends que Cyberpunk, le patch next gen, on l'aura pas le jour de la sortie. Bah, bizarrement, ça m'embête quand je vois que Halo, enfin, ça a été quand même une catastrophe. Quand je vois qu'il y a des jeux comme Ratchet et Clank qui devaient sortir Day One, et puis bon, résultat des courses, ça sera pas forcément Day One. Enfin, je me mets à la place des éditeurs, c'est déjà une année de merde pour nous toutes et tous. Je me dis, pour des sociétés de jeux vidéo, travail à distance et tout, ça a été quand même catastrophique. Maintenant, je pense que c'est un choix financier aussi. Alors, financier, parce que bah, plus vite tu sors une console, plus les investisseurs sont contents. Et deuxièmement, bah, tu profites de la période de Noël. C'est-à-dire que là, ils vont vendre énormément. Même nous, je veux dire, on est des pigeons. C'est-à-dire qu'on est méga passionnés. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir une console next-gen. Même si les jeux ne sont pas tip-top, eh ben, on craque, on fait les pigeons. Donc, c'est vraiment. Moi, j'ai la méga hype. Moi, j'ai la méga hype. J'ai terriblement envie. J'ai posé 2 journées de congé. Le jour de la sortie de la Xbox Series X et le jour de la sortie de la PS5, j'ai posé 2 jours de congé parce que je vais être à fond. Je vais aller chercher. J'ai la chance d'avoir mis de l'argent de côté l'année dernière parce que j'ai eu pas mal de frais de déplacement. Donc, j'avais mis un peu pendant un an. J'avais mis tous mes sous de côté. J'avais dit tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu précommander les deux. D'autant plus que bon, quand on revend, j'ai revendu ma PS4 Pro à Micromania, ils m'ont fait une super reprise. Donc résultat des courses, il y a une console que je paye quand même beaucoup moins cher que ce qui était prévu. Mais j'ai terriblement hâte que ce soit l'unboxing, je vais être comme un dingue, que ce soit les premiers jeux, que ce soit la manette, et j'ai vraiment envie de partager ça en plus. Donc je vais, ah ouais, ce jour-là, je sais pas ce que je vais faire, des lives ou je sais pas quoi, mais. J'ai vraiment envie de partager ce moment parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de big jeu Day One exceptionnel, moi j'ai la méga hype quand même quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair, oui, là, franchement, moi, c'est pareil. Moi, personnellement, j'ai pas pris la Xbox Series X parce qu'il n'y a rien qui m'attire pour Ouais. l'instant. Donc, je vais attendre un petit peu. Par contre, j'ai pris la PS5. Bon, moi, on va peut-être me huer, je l'ai pris en Digital Edition. Donc, je sais que je vais payer les jeux plein pot. Mais bon, moi, je suis comme ça. J'ai toujours été chez moi à prendre les jeux directement, pas aller dans les Micromania. Donc. Voilà, c'est ma nature, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je continue, je ne T'as change bien pas. raison, t'as bien Voilà. raison, et c'est ce que j'ai dit, n'écoutez personne, il n'y a aucune consigne d'achat à donner.
Je crois que j'avais fait la vidéo, je ne sais plus si je l'ai sortie à force, mais j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Je crois qu'on l'a faite, hein, où je disais, on va vous donner des consignes d'achat, et à la fin, on leur dit, si quelqu'un ose vous donner des consignes d'achat, surtout ne l'écoutez pas, parce que chaque cas est différent. Tu vois, toi, tu aimes bien le numérique. Il y a des gens, ils habitent à côté de Micromania, ils préfèrent aller au Micromania. Tu as des gens, bah, eux, ils ont la fibre, puis c'est pas leur délire, les magasins, tout ça, surtout en ce moment, ils préfèrent, voilà, tout télécharger sur le store. Enfin, faut pas juger chacun sa façon de jouer. Il y a des gens qui vont jouer 70 heures en une semaine, il y a des gens qui vont jouer 5 heures par an. Donc, ouais, moi, je comprends. La digitale, c'est vrai que à titre personnel, moi, j'ai pris la version traditionnelle. C'est surtout parce que j'achète beaucoup de jeux dans les grandes surfaces à tarif réduit, les Carrefour. J'ai un Carrefour à 200 mètres de chez moi. Donc, bon, c'est quand même pratique. Il y a Micromania à côté aussi. Donc, c'est le côté revente, en fait, qui m'intéresse. C'est que je vais l'acheter à prix réduit. Si je le finis en une semaine ou deux, je peux le revendre ou avoir un jeu pas trop cher. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette version-là. Maintenant, je comprends tout à fait que les personnes qui ne sont pas forcément fans du format physique puissent prendre le format digital qui est quand même 100 euros moins cher, 100 euros. Je veux dire, quand tu revends ta PS4, ils te la rachètent 250 euros, tu mets. Elle est à combien? 399, je crois, la digitale, c'est ça? Donc, t'imagines, c'est quand même hyper intéressant. Quand tu revends ton ancienne console avec quelques jeux, il suffit que tes deux manettes. Ta manette, ils vont te la reprendre 30 balles. Enfin, en revendant ton ancienne console, tu peux facilement obtenir une PS5 digitale à prix hyper intéressant, quoi. C'est ça qui est cool. C'est clair. Et du coup, donc tu disais ouais par rapport au jeu de lancement, là du coup qu'on n'en avait pas beaucoup. Sur PS5, on en a un petit peu. Sur Ouais. Xbox, pour moi, c'est comme si on n'en avait pas. À part The Medium, là, Ouais. qui est quand même pas mal, hein, on va pas le nier. Mais oui, c'est vrai que les grosses licences comme Halo, Hellblade, vraiment les gros blockbusters qu'on veut, ils sont pas là. Mais du coup, quel jeu au lancement t'as précommandé ou tu attends peut-être, je sais pas. Donc que ce soit sur PS5 ou sur Xbox, voilà. Je suis un gros consommateur de jeux. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire. En plus aujourd'hui, on a vraiment une chance folle, c'est que la chaîne, au bout de 6 mois, elle est monétisée. On s'était dit, si on arrive à avoir même 5, 6, 7, allez, 10 euros, bah c'est tout. Au bout de quelques mois, on pourra se payer un jeu, on sera content. Et résultat des courses, on a déjà des membres soutien, c'est génial. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que je vais gagner 100 euros avec ma chaîne, mais je veux dire, ça fait super plaisir. Donc tu vois, grâce à ça, bah forcément, on est motivé, on a envie de leur donner en retour. Donc moi, il y a des personnes qui me disent, tu vois, Assassin's Creed. C'est pas que je l'aime pas, moi j'ai terriblement envie de faire Assassin's Creed, mais j'ai pas le temps. En fait, c'est un manque de temps. Depuis qu'on a ouvert la chaîne, je joue quasiment plus. Mais des fois, je me dis, est-ce qu'on prendrait pas Assassin's Creed pour montrer aux gens parce qu'ils seront contents, ils ont envie de le voir. Enfin, on est dans un total délire. Sinon, moi, dans mes réservations à titre personnel, bah, j'ai réservé Miles Morales, mais forcément, je suis pas forcément fan de Marvel. Enfin, c'est pas que j'aime pas Marvel, c'est que j'y connais rien, moi, à Marvel. Quand j'étais gamin, j'ai lu des bouquins comme tout le monde, tu vois, j'ai lu des Captain America, des Spider-Man, tout ça, mais sans plus, j'aimais bien, je connaissais les personnages, mais je peux pas dire que je suis connaisseur, ce qui fait que quand j'ai Spider-Man est sorti sur PS4, c'est pas le genre de jeu qui m'a plu. Mon fils l'a acheté Day One, il était à fond, il a toujours dit que c'était l'un de ses jeux préférés. Moi, je l'ai pas fait et au fur et à mesure des mois, des années même, hein, je voyais tout le monde dire que c'était l'un des meilleurs jeux PS4. Donc là, au mois de, je crois, janvier, février de cette année, tu vois, je l'ai fait. J'ai dit, tiens, tout le monde dit qu'il est bien, je vais le tenter. Et en fait, il est terriblement fun. Même si t'aimes pas forcément Marvel, je veux dire, manette en main, tu as l'impression de jouer au film. Il est terriblement fun. Je l'ai platiné alors que je suis pas fan des platines. Pour que je platine un jeu, faut vraiment que je le kiffe à fond. Il y a tous les God of War que j'ai platinés, à part le dernier, mais il y a tous les God of War que j'ai platinés. Et là, Spider-Man, je l'ai adoré. Ce qui fait que même si c'est une version 1,5, la version PS4 était tellement dingue, même encore cette année quand j'y ai joué, c'était quasiment l'un des plus beaux jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer. Je suis hyper méga hypé, j'ai même acheté la version Ultimate, tellement j'ai envie de retourner dans le premier. Enfin, ça, c'est ma grosse attente, on va dire. Si on me dit quel est le jeu que tu attends le plus pour la next-gen, c'est le Miles Morales. Après, il y a Cyberpunk. Cyberpunk, alors là, j'en parle même pas, mais. Je suis hyper méga fan de Keanu Reeves. C'est des projets. Enfin, The Witcher 3, on est tous d'accord pour dire que c'est un monstre. Là, voilà, Cyberpunk, c'est l'apothéose, c'est le summum. Graphiquement, ça a l'air terrible.
Alors, on a tous peur. On a peur du pétard mouillé, on a peur de l'échec ou du truc voilà, qui va bider. Mais franchement, moi, je suis persuadé que c'est des projets qui vont nous faire un jeu de cinglés. Et ouais, le seul truc qui me stresse avec Cyberpunk, c'est un peu qu'aujourd'hui, je me la pète, j'ai le choix du roi. C'est-à-dire que j'ai un PC, j'ai une Xbox, j'ai une PlayStation et je ne sais pas du tout sur quelle plateforme l'acheter. Alors, tu te dis à 70 balles, tu as quand même envie de pouvoir bénéficier de la meilleure version. Si tu en as la possibilité, tu as envie de l'avoir. Donc en fait, je pense que je vais attendre le premier jour, tu vois, le jour de la sortie, je vais l'éviter, je vais voir un peu les tests, les machins sur Internet. Et si, bon, s'il n'y a pas de différence, ben c'est tout. Je pense que je le prendrai peut-être sur Series X, ça peut être l'occasion de voir la Series X qu'elle a dans le ventre. ouais. Voilà, enfin, je veux dire, c'est les deux gros, gros jeux que j'attends. Après, mon fils, lui, il a réservé Call of Duty parce qu'il est méga fan de Call of Duty. Donc lui, c'est... Il est beau, hein. Il hésite même pas. Ouais, ouais, puis lui, il hésite même pas. À la limite, je vais te dire... les nouvelles générations, à la limite, c'est ça. Hein, c'est, voilà, demain, il y a Fortnite, même s'il n'est pas en HD truc bidule, ils vont prendre Fortnite, quoi. Donc, lui, c'est Call of Duty. Et bizarrement, il est méga hypé par Assassin's Creed. Donc, on va dire que si on a la chance de pouvoir en acheter 4 d'ici la fin de l'année, ça sera ces 4-là. Ouais, parce que t'en as tellement de jeux qui vont sortir rien Ouais. qu'au lancement des nouvelles consoles. Je parle en éditeur tiers, parce que c'est Ouais. vrai que first party, on n'y est pas du tout. Ouais. Mais éditeur tiers, il y a du Assassin's Creed, il y a du Watch Dogs, Ouais. Même pour ceux qui veulent acheter FIFA pour optimiser Next Gen, NBA 2K21 sur Next Gen aussi, qui est juste impressionnant, je trouve. Sublime. Voilà, tous ces jeux, en fait, éditeur tiers, il y en a beaucoup qui vont sortir, et c'est sûr qu'il faut un moment, faut faire un choix, parce que sinon, le portefeuille, il va flamber, la bancaire ne va pas être contente. C'est clair que le portefeuille il va flamber, il faut trouver le temps de pouvoir y jouer. En plus, je veux dire, avec l'âge, tu comprends que des fois, ça sert à rien de tout acheter day one, parce que si tu attends ne serait-ce qu'un mois, le temps de finir le Spider-Man ou quoi que ce soit, tu attends quelques semaines, bah, tu vas avoir ton Assassin's Creed en occasion, tu vas le trouver plus facilement. Après, j'ai du mal à comprendre Ubisoft, parce que tu te dis, après c'est tout, je travaille pas pour eux, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse sortir Watch Dogs et Assassin's Creed en même temps. Moi, je suis désolé, Watch Dogs, tu me l'annonces début janvier, je suis méga hypé, mais je le réserve. Là, tu le sors day one, j'ai pas envie de le faire, j'ai d'autres choses à faire avant Watch Dogs. Donc, j'ai du mal à comprendre leur choix. Maintenant, bon, j'attends de voir les tests. Il a l'air quand même excellent, ce Watch Dogs. Ça tombe, on va halluciner. Ça tombe, il va se taper un 17-18 en note. On va dire, punaise, c'est peut-être le jeu à faire. Donc, ouais, il y a quand même du monde. Après, c'est vrai que Xbox, c'est différent. Moi, j'adore Xbox. Moi, je le cache pas, j'adore Xbox. J'adore PlayStation, hein, je vais pas mentir non plus. Mais j'ai toujours eu une préférence pour Xbox. Ma 360, ça a été une console que j'oublierai jamais. J'ai vécu des trucs de dingue dessus. Par contre, ma Xbox One, tu vois, je l'ai revendue en début d'année. Il n'y avait plus de jeux, il n'y a rien qui sortait, ça me saoulait, j'étais énervé. Et de l'autre côté, sur PlayStation, j'ai fait tous les jeux que je n'avais pas encore fait. Je me suis fait The Last of Us en fin d'année, je me suis fait le Death Stranding que j'ai trouvé monstrueux, je me suis fait Spider-Man. Enfin, je me suis fait énormément de jeux avant d'ouvrir la chaîne. Je me suis fait Horizon, enfin, quand tu claques en 3-4 mois de suite, Horizon, Spider-Man, Death Stranding, Ah oui. Last of Us, enfin, à un moment donné, tu dis, allez, c'est bon, je revends ma Xbox. Et j'ai revendu la Xbox aussi parce que les seuls jeux que j'attendais, c'était Ori, puis les Halo, le Master Chief Collection. Et j'avais un PC, j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir m'acheter un PC gamer. Donc je me suis dit, avec le Game Pass, je peux revendre ma Xbox. Donc j'ai revendu ma Xbox. Et honnêtement, c'est bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer. Le Game Pass, il a un côté, effectivement, Netflix du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu consommes des jeux que tu n'aurais pas achetés. Moi, et bizarrement, je ne vais pas te mentir, mis à part les gros titres PlayStation, The Last of Us 2, que j'ai trouvé exceptionnel, Final Fantasy VII, j'en parle même pas tellement, c'était un jeu que j'attendais depuis que j'étais gamin. Enfin, mis à part les gros titres, bizarrement, depuis le 1er janvier, je suis quasiment tout le temps sur le Game Pass. J'ai découvert Sea of Thieves, qui est un jeu, mais j'ai même pas les mots. C'est quasiment, alors je vais pas dire mon jeu de l'année, parce que The Last of Us 2, c'est quand même une... Il n'y a pas de mots, quoi, mais... Sea of Thieves, ouais, je veux dire, il serait dans mon top de l'année tellement j'ai découvert ça par hasard et il est exceptionnel.
Puis plein de petits jeux, je veux dire Battletoads, j'aurais jamais joué à Battletoads. Et là, avec le Game Pass, tu te dis, tiens, il est gratos, je l'installe. Mais si tu savais à quel point il est excellent ce Battletoads, Street of Rage 4, enfin, je te dis, les Gears, les machins, Minecraft Dungeons, enfin, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est qu'effectivement, en toute objectivité, chacun est libre d'avoir les jeux de son choix, ses jeux préférés. Il y a des gens, moi je connais mon poteau GIF. Il n'aime pas les jeux troisième personne, tu vois, avec The Last of Us, Horizon. C'est vrai que PlayStation, c'est toujours pareil. Tu as un bonhomme au milieu de l'écran qui avance une aventure. Moi, c'est ce que je surkiffe. Donc, forcément, j'adore ça. Mais après, tu as des gens qui n'aiment pas forcément ce style de jeu-là. Ils vont être plus orientés Xbox, peut-être sur du Forza, du Gears, des jeux multijoueurs. Donc, faut pas juger. Mais c'est vrai que Xbox, il a le problème des exclus. Ça, c'est certain. Je veux dire, là, moi, il n'y a rien qui m'attire forcément. Là. Day One sur Xbox. Par contre, le Game Pass, tu te dis, il y a énormément de jeux à la limite. Si je n'avais que la PS5, je serais obligé de les acheter. Tu vois, c'est ça que je me dis surtout. T'achètes un ou deux jeux. Je vais donner un exemple tout bête, mais tu vois, cette année, j'ai fait Blair Witch, Street of Rage 4. Si je les avais pas eu sur le Game Pass, je les aurais achetés. Ça m'aurait peut-être coûté, allez, 40 balles pour l'un, 40 balles pour l'autre. Bah, 80 € ça m'aurait coûté. 80 € c'est quasiment ce que je paye pour 6 mois de Game Pass, tu vois. Donc, c'est une philosophie différente, c'est un service différent. Ils ont de plus en plus de jeux. C'est pour ça que je résume en disant, pour les jeux, oui, je préfère la PlayStation. Pour le Game Pass et le quotidien, je préfère le côté Xbox. C'est bizarre à dire. J'ai le choix du roi, tu vois. Mais j'aurais pas pu me passer de PlayStation, c'est certain. Si j'avais dû en choisir qu'une, j'aurais choisi la PlayStation pour la fin d'année. Parce que les jeux que j'attends le plus, c'est Spider-Man, tout ça. Donc c'est sûr, j'aurais choisi la PlayStation. Mais malgré tout, ouais, Xbox, je suis incapable de passer à côté, en fait. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Après, c'est Ouais, comme non, mais tout, je hein. Je veux comprends. dire, c'est comme le foot, hein. Moi, je suis passionné, je suis supporter du RC Lens. On s'est retrouvé en Ligue 2 pendant 10 ans, bah c'est tout, j'étais supporter du RC Lens. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Le jeu vidéo, c'est pareil. Je veux dire, quand t'aimes Rockstar, on a beau te dire aujourd'hui que Rockstar sont en train d'un peu, voilà, ça bat de l'aile, bah c'est tout, c'est Rockstar quand même. Enfin, tu vois, t'as ce côté quand même, faut être honnête, fan. Alors les gens disent fanboy, non, ça, j'aime pas le terme, mais on reste des fans de jeux vidéo. Et quand t'es fan de jeux vidéo, bah, si t'es fan de Mario, ils ont beau te sortir un Mario de merde, tu vas dire ouais, il est pas si mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc bon, c'est je clair. parle trop, j'arrête là, mais tout ça pour dire quoi, ouais, là, j'ai la chance d'avoir les deux et je serai incapable de trancher, en fait. Tellement les deux sont complémentaires, voilà, c'est ça. Oui, et puis voilà, comme on dit, on est passionné de jeux vidéo, on n'est pas fanboy d'une console ou d'une autre. Il y en a qui peuvent avoir ça, mais si tu veux vraiment être passionné, il faut vraiment tester toutes les consoles, que ce soit Nintendo, Xbox ou PlayStation. Les trois plateformes offrent des super jeux, et ça serait bête de passer à côté, ça c'est sûr. Bah, c'est pour ça que je suis contre les exclusivités, tu vois, c'est bizarre, moi je suis contre les exclusivités, parce que c'est ça qui crée de la frustration. Quand t'es fanboy, il faut être honnête, c'est qu'au fond, que tu sois fanboy Xbox ou PlayStation, t'as quand même un peu de frustration, c'est un peu comme dans le foot, tu vois. C'est-à-dire les gens qui font « Ouais, PSG, j'aime pas tout ça », bah c'est parce qu'au fond, on est jaloux de voir une équipe aussi forte, avec des joueurs pareils, on aimerait bien les avoir dans notre équipe. Demain, t'as Neymar qui vient, je veux dire, à Marseille, à Lyon ou Bordeaux, les mecs, ils vont dire « Ah, c'est exceptionnel ». Enfin, j'exagère, hein, je veux dire, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est un peu ça, le fanboy, c'est un peu ça, c'est un peu le mec qui est dégoûté, je peux pas jouer à The Last of Us ». Donc il va essayer de massacrer sur ce qu'il peut derrière. Ou à l'inverse, il va voir, je veux dire, Gears qui va tourner, je veux dire, une connerie en 4K, machin, 120 FPS et tout. Il va dire, ouais, non, mais c'est Gears, c'est nul. Enfin, mais c'est dommage parce que c'est un côté de frustration. Moi, quand j'ai revendu, je me rappelle une époque où j'avais pas d'Xbox, il y avait eu le jeu Quantum Break, là, ouais, c'est Quantum Break. J'étais Ouais, c'est ça. dégoûté, j'étais dégoûté. Je voulais jouer. Moi, j'avais ma PlayStation. Non, je voulais jouer à Quantum Break, qui était sublime. J'avais trop envie de le faire, tout ça. Et à l'inverse, une fois, j'avais pas de PlayStation. Ça remonte. Hein. Il y avait eu Final Fantasy X. T'imagines? J'étais dégoûté. Je voulais. Enfin, je te dis, c'est plein d'exemples que j'ai comme ça. Puis après, avec le temps, quand tu vis, tu te rends compte que c'est ridicule. Mais aujourd'hui, si t'as, faut faire très attention, surtout sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est que tu as le malheur de dire j'ai réservé la PS5, tout de suite on te catalogue en joueur PS5. Parce que bah, 95% des joueurs n'ont pas la chance de pouvoir s'acheter une console et n'ont encore moins la chance de pouvoir s'en acheter deux. Donc c'est forcément,
ils ont besoin eux aussi de choisir un côté, tu vois. Ils ont besoin parce qu'ils se disent, j'ai peut-être les moyens d'en acheter une, je veux pas me tromper. Donc, et c'est très compliqué. Je trouve que c'est peut-être l'une des générations où c'est le plus compliqué à choisir son côté, tu vois. Moi, j'aurais beaucoup de mal à dire à un de mes cousins ou quoi, qui me dirait, j'ai 500 balles, j'ai envie d'acheter une console, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est très compliqué. Je lui dirais, dis-moi ta façon de jouer, dis-moi ce que tu cherches. Enfin, c'est très délicat. C'est clair. Oui, puis après, de toute façon, les exclusivités, c'est ça aussi qui départage le Ouais. choix des personnes. Ouais. Et moi, pour l'instant, je t'avoue que moi, j'ai revendu ma Xbox parce que j'avais pas tellement d'exclus que ça qui m'attirait, à part le Voilà. Gears 5 que j'ai adoré. Franchement, j'ai Ouais, moi adoré. aussi, je l'ai adoré. Il est vraiment bien et j'attends la suite. Alors, ils ont intérêt à l'annoncer. Hein. Et du coup, voilà, PlayStation, c'est sûr, quand t'as des The Last of Us, des God of War, le Ghost of Tsushima, Ouais. c'est une pépite. C'est une pépite. Tout ça, tous ces jeux, moi, c'est pour ça que j'ai pris PlayStation, que Ah bah je suis ouais, plus, c'est on va dire, clair je préfère que... plus PlayStation par rapport aux exclus. Mais Xbox, j'adore, j'ai toujours adoré Xbox. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, ça m'incite pas à prendre une console nouvelle génération de côté Xbox. Je vais attendre un peu. Voilà. Bah pour un gros consommateur de jeux narratifs, c'est clair que PlayStation, c'est la solution. Faut même pas chercher à comprendre. Si t'aimes les jeux narratifs et que t'es un gros consommateur, tu sais que t'auras des jeux, enfin je veux dire même là pour l'année à venir, que ce soit le Spider-Man, le God of War, le Horizon, voilà, t'es tranquille pendant 1 an et demi là. Et c'est vrai que par contre, à l'inverse, si t'es pas trop consommateur, que t'as pas les moyens de t'acheter un jeu par mois, bah c'est ça aussi l'avantage du Game Pass, c'est que tu te dis je paierai plus mes jeux, quoi. Et quelqu'un, moi j'ai des copains qui me disent je vais basculer vers Xbox parce que je paierai plus mes jeux, je comprends tout à fait. Je veux dire, tu as des mecs qui, avec l'âge, moi j'ai beaucoup de copains qui jouent beaucoup moins qu'avant, qui disent avec le boulot, les enfants, tout ça et tout, j'ai pas forcément le temps. Bon, bah au moins avec une Xbox, je paye 10 euros par mois et puis bah, toutes les nouveautés vont tomber. Donc c'est pour ça que c'est pas simple. Il faut surtout pas être fanboy, mais bon, c'est normal. À 20 ans, j'étais fanboy aussi, j'étais fanboy de plein de choses, moi, à 20 ans. Mais avec le temps, tu te rends compte que. C'est rigolo, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule. Tout est bien. Je veux dire, c'est comme tous les films. Hein, il y a 50 millions de films, on ne peut pas tous les voir. Il faut choisir un peu sa crèmerie. Il y a Netflix, il y a Amazon Prime, il y a Bouygues, il y a Orange. Je pourrais citer plein de choses comme ça, mais bon. Tout le monde a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Et du coup, ouais, je voulais te demander ton avis sur le rachat de Bethesda par Xbox. T'en penses quoi? Bah, je suis impressionné, impressionné déjà par rapport au montant. Enfin, j'ai pas les mots. C'est plus cher que le rachat de Disney de Marvel. Enfin, je veux dire, c'est une somme de cinglés. Ils ont pas fait ça à moitié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends les gens qui disent bon, il faut pas que ce soit exclusif. Il faut que les sortent sur PlayStation. Comme ça, ils vendront à la concurrence. Tu vois, ils se feront des sous sur la concurrence. C'est mort. Je veux dire, ça c'est bien si tu achètes le studio pour quelques millions. Là, vu le pognon qu'ils ont mis, le message, il est clair. C'est Bethesda, tu nous appartiens, point final. Moi, je suis persuadé ça va être de l'exclusivité, mais à fond, quoi. Ils vont, à leur place, on ferait pareil. Enfin, je sais pas, c'est comme si, je veux dire, toi, tu es supporter de Saint-Etienne, tu achètes Neymar, et puis on dit, ouais, mais un match sur deux, tu vas le faire jouer à Paris. Tu dirais, bah, que dalle, on l'a, on le garde, on le prête pas. Ouais, c'est Donc, clair. non, mais on est tous pareils. Je veux dire, à un moment donné, Bethesda, c'est une acquisition de dingue. C'est l'un des plus gros studios. Maintenant, c'est très particulier. Il y a énormément de gens qui vont dire, j'aime pas Bethesda. C'est pas le genre de jeu auquel je joue. Mais bizarrement, je trouve que ça colle plus à la philosophie Xbox. Tu vois, autant voilà les Naughty Dog, les machins comme ça. Je dirais voilà, c'est tu peux les racheter du côté PlayStation. Autant je suis pas surpris, Bethesda. Je suis pas surpris, ça colle de mon point de vue, hein, c'est très subjectif, je fais pas de généralité. Il y a plein de gens qui diront ouais, qu'est-ce qu'il dit? Mais bon, c'est mon point de vue très personnel. Heureusement qu'on a le droit d'avoir un avis personnel. Moi, je trouve que le style de jeu de Bethesda correspond plus au style de jeu qu'on va retrouver sur Xbox que sur PlayStation. Maintenant, je pense que c'est pas le dernier. Parce que Microsoft, il a compris une chose, c'est qu'il va falloir se battre contre les géants qui vont nous sortir, les Amazon, les Google. On a beau rigoler de Stadia et tout ça, c'est pas du tout les mêmes moyens financiers. Et PlayStation, ils ont la chance d'avoir une communauté. C'est-à-dire que eux, PlayStation, voilà, je veux dire, rien que le mot PlayStation, il attire les foules.
Maintenant, je me dis, si on regarde sur le long terme, dans 10 ans, moi je reste persuadé que PlayStation, il faut qu'il fasse avec un gros pour pouvoir rivaliser. Et là, Microsoft, je les trouve plus proches de la réalité. Microsoft, ils se disent, il faut y aller maintenant, sinon on est mal, quoi. Et c'est vrai que l'avenir, on l'a vu dans la musique avec les Deezer, les Spotify, on l'a vu à la télé. Où, moi, je veux dire, il n'y a quasiment personne que je connais qui va me dire j'ai regardé France 2, France 3 ou même TF1, tu vois. Les gens, ils me disent j'ai regardé Netflix, Amazon, machin. Donc, tu te dis, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais même si ça arrive dans 5 ou 10 ans, ça passe tellement vite, 5 ou 10 ans, que franchement, Xbox, c'est malin. Moi, je trouve ça malin. Après, c'est vrai que PlayStation, il a énormément d'avance. Ils sont quand même à 70-30. Ils ont le temps de voir venir, tout ça. Ils sont loin d'être à la ramasse totale. Hein. Le PS Now, bon, c'est pas exceptionnel, mais ça marche quand même. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont finis, mais je suis en train de dire, faites attention. Faites attention quand même, parce que ça finira par arriver, et le jour-là, il faut être prêt. Donc moi, si je devais miser une pièce, à chaque fois que je dis ça, tout le monde rigole en me disant que je dis des conneries, mais moi, je serais pas étonné de voir PlayStation vraiment se lier avec un gros, tu vois, avec ça peut être Amazon, ça peut être Apple, ça peut être Google, je m'en fous, peu importe le nom. Et même à la limite avec Microsoft, tu vois, pour lutter contre les autres, pourquoi pas dans 10 ans, je veux dire, il y a 20 ans, moi, quand on me disait il y aura des jeux Sonic sur Nintendo, je disais c'est impossible. Enfin, c'était la même chose que PlayStation Xbox, tu vois. Donc pourquoi dans 10 ans, on n'aurait pas Gears sur PlayStation ou God of War sur Xbox, hein, franchement, il faut être obtus pour pas y penser. D'accord. Bah, très bon avis, d'accord. Bah écoute, oui, moi je suis d'accord. Après, moi, je l'ai dit dans ma vidéo, parce que j'ai fait mon live avec Florian. J'ai dit sur Bethesda, moi je suis pas un friand de Bethesda, Voilà. donc personnellement, je peux pas trop en parler, donner mon avis. J'ai pas envie d'avoir des fans après qui vont me dire ouais, tu connais rien. Oui, je connais rien, Bethesda, j'avoue, Mais c'est pas ma cam. Donc, ouais, c'est un genre de joueur, c'est un style de jeu à part, hein, Bethesda. C'est pas du jeu ultra commercial. C'est pas le genre de jeu que tu vas conseiller à un gamin qui te dit j'ai envie de m'éclater. Tu vas pas lui dire va faire un Fallout ou un Skyrim, quoi. Enfin, c'est des jeux. Bon, à la limite, il y a Doom, mais c'est quand même des jeux réservés à une clientèle très particulière, mais qui est nombreuse. C'est-à-dire que c'est pas 80% des joueurs, mais c'est quand même un gros groupe de joueurs. Bethesda, c'est le genre de studio. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont se dire, qui étaient PlayStation et qui vont se dire, non, 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 moi je suis pas capable de passer à côté d'un Elder Scrolls 6. Et donc ils vont basculer, tu vois. Mais c'est une super acquisition, il faut dire ce qu'il est. Maintenant, je pense que Sony va nous claquer des acquisitions derrière et Xbox en fera d'autres. C'est la mode, hein. Je te dis, moi je compare beaucoup ça à Netflix et Amazon, hein. Netflix, un jour il achète Harry Potter, bon bah ça y est, c'est ouais, exceptionnel. Et puis la semaine d'après, t'as machin qui te sort l'intégrale de Rocky, tu fais ah, l'intégrale de Rocky. Enfin, ça reste du pognon, hein, derrière tout ça. Leur seul objectif, c'est de faire du pognon, point final. Hein, je veux dire. C'est clair. Même si Sony, eux, sont intelligents quand ils rachètent les studios, je trouve qu'ils les rachètent pas si cher que ça, pour la qualité des jeux qui sortent en plus. Bah, Enfin, c'est mon avis. ouais, ils ont fait quand même Insomniac. Je veux dire, le mec qui a signé Insomniac, à mon avis, qu'il n'est pas prêt d'être au chômage. Il a fait l'affaire de sa vie. Mais après, Sony, c'est pas. Il y a Microsoft, hein. Sony, c'est quand même un petit par rapport à Microsoft. Donc, faut. Ouais, ils ont été peut-être plus malins. Je suis pas dans leurs petits papiers, mais c'est vrai que cette acquisition, en plus, ça leur colle bien la peau. Je veux dire, du Ratchet, du Spider-Man, ça colle bien à la PlayStation. Ça fait énormément vendre de PlayStation. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça malin. Et pour le prix, enfin, c'était. Mais bon, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Parce que je veux dire, regarde Asobo, on parle de plus en plus, voilà, d'un rapprochement Asobo-Microsoft. Ouais. Asobo, c'est pas le studio qui va te coûter cher. Et à mon avis, ils ont la capacité de te sortir des jeux aussi excellents, voire plus que ce que fait Insomniac. Donc, on ne peut pas comparer l'acquisition d'Insomniac à l'acquisition de Bethesda. Ce n'est pas du tout la même chose. Bethesda, c'est un monument. Bethesda, c'est. Attends, Skyrim, ce n'est pas le petit jeu qui s'est vendu à 5 exemplaires. Tu as Doom, tu as Starfield, tu as beaucoup de joueurs PCistes qui sont à fond Bethesda. Les Fallout,
J'ai même des collègues, tu vois, au boulot qui ne me parlent jamais de jeux vidéo, et bizarrement, je les ai entendus parler de Fallout des heures et des heures et des heures, des jours, des années, quoi. Donc, c'est des jeux qui fidélisent aussi. Donc, moi, je reste persuadé que c'est une excellente acquisition. Maintenant, je suis hyper surpris du prix, c'est un truc de fou, quoi. Les Ouais. mecs, ils ont claqué le chéquier, c'est même pas un chéquier, quoi. Là, ils ont sorti le lingot, ils ont dit, allez, C'est c'est. pour Mais ça bon. que ça me fait bizarre quand Phil Spencer il dit qu'il sait pas s'il allait sortir les jeux sur les autres plateformes. T'as claqué 7,5 milliards d'euros, grand, à un moment. Ouais, je pense C'est que ouais. bah, les deux seraient valables. Hein. Si demain il décidait de ne pas le faire, je dirais que quelque part il a raison. Parce que c'est un peu l'intérêt de les avoir achetés. Maintenant, imaginons hein, que le Game Pass soit en galère, qu'au bout d'un an il n'ait pas vendu assez d'Xbox Series X ou quoi. Le mec, il annonce un Skyrim à 80 balles sur PS5. Il se fait des sous sur la concurrence. Donc bon. Ah bah oui, Faut c'est je... Ce clair. qu'il dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'il dira demain. Hein. Je veux dire, quand tu vois que ce qu'ils nous ont annoncé au mois de septembre, 2 mois après, c'est pas vrai. Ce qu'ils nous annoncent aujourd'hui sur Bethesda, personne ne sait en interne ce que ce sera d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est pas définitif. Maintenant, pour le moment, moi je serais. Puis même vis-à-vis de noter, aujourd'hui le jeu vidéo, c'est beaucoup de fanboys. C'est triste, mais c'est vrai. Ouais. C'est énormément de fanboys et tu as quand même énormément de mecs qui font confiance à Microsoft, qui sont quand même, faut dire la vérité, un petit peu sur les nerfs par rapport à la génération actuelle. C'est-à-dire, les mecs, ils ont fait confiance, ils ont acheté des Xbox One, ils se sont fait plaisir. Mais derrière, il y a eu tellement des bombes qui sont sorties de l'autre côté que tu es un peu jaloux, tu es un peu deg, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as Bethesda, tu es fier, tu es content. Demain, on t'annonce un Skyrim 6, un Elder Scrolls 6 sur PS5, tu es dégoûté, quoi. Tu pètes un câble sur Xbox. Moi, je suis persuadé que les gens vont dire, mais vous êtes, putain, mais bande de fumier. Enfin, tu vois, ils vont leur en vouloir. Et ça, c'est important. Il va falloir faire très attention à ça. Xbox, il a l'impression, tu vois, d'avoir donné des sous. Tu vois, le mec qui est joueur dans son salon, mais il a l'impression d'avoir contribué à l'acquisition de Bethesda. Et il se dit, moi, mon Skyrim, mon Elder Scrolls, tu me le donnes à moi et je vais narguer tout le monde et je vais mettre, regardez, je l'ai reçu, vous ne l'avez pas. Enfin, c'est ça qu'il veut faire, quoi. Donc, c'est triste, Ah oui. mais c'est Ah. la vérité, hein, c'est la vérité. Tout simplement. Ah, je suis tout à fait d'accord, ouais, c'est clair. D'accord, bah, du coup, donc voilà, bah, merci pour ton avis sur Bethesda. Je voulais aussi te parler de l'interface vite fait, on va pas aller très loin. Je voulais savoir ce que tu en pensais, parce que je trouve que l'interface de PlayStation a quand même beaucoup amélioré, je trouve. Xbox, ça n'a pas trop changé pour moi. Un peu plus fluide, mais sinon, voilà, donc qu'est-ce que tu en penses de ces deux interfaces? On va quand même parler des deux interfaces pour pas que j'ai de commentaires négatifs. Oh, le fanboy. Voilà. Non, mais je t'avouerai que j'ai suivi ça de loin. Je m'y suis intéressé parce que je me suis dit que sur la chaîne, il fallait en parler. Mais si j'avais pas eu la chaîne, tu vois, j'aurais même pas regardé les vidéos des interfaces. C'est pas le sujet qui va me passionner. Parce que une interface, tu la testes manette en main. Tu vois, les iPhones, je prends l'exemple d'iPhone. iPhone, ils te disent le dernier iOS, tu peux faire des icônes qui prennent 3-4 cases. Moi, j'étais méga hypé, j'ai dit c'est génial. Le jour où j'ai mis la mise à jour, ça m'a. Putain, j'ai dit quoi ce bordel, tout y est décalé, j'y comprends plus rien. 1 heure après, j'avais tout viré les grandes icônes et j'ai remis les icônes traditionnelles. Tu vois. Donc. Une interface, il n'y a que manette en main que tu vas pouvoir te dire si vraiment c'est fluide ou pas. Maintenant, j'espère qu'ils ont fait des efforts parce que ce soit Xbox ou PlayStation, les interfaces actuelles sont pourries. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, un gamin, tu lui dis éteins une PlayStation, il ne peut même pas l'éteindre, quoi. Il faut appuyer sur le bouton de la manette, aller dans l'alimentation, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, enfin, il y a un bouton éteindre en bas à droite. Enfin, tu te dis enfin. Après, Xbox, elle est bordélique. Elle est bordélique en fait l'interface Xbox, mais elle est plus canalisée. Enfin, je veux dire, les deux ont leurs avantages. Tout ce qui est communautaire, je trouve que c'est le bordel des deux côtés. Les parties, les machins sur PlayStation, ou alors même pour parler avec des copains sur Xbox. Enfin, je sais que moi, à titre personnel, hein, attention, je galère. Donc, j'espère surtout que dans les interfaces, ils auront fait des gros, gros, gros efforts sur tout ce qui est communautaire. Alors ça c'est vraiment ma grosse attente. Les streams aussi, hein, les streams sur Twitch, les streams sur YouTube, savoir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer, les captures d'écran. Moi je suis un adepte des captures d'écran, j'en prends tout le temps. J'aime les beaux graphismes. Bah, regarde, derrière moi c'est une capture d'écran de Red Dead 2. Ah, je l'ai reconnu, ouais, je l'ai reconnu. Ah ouais, non, mais moi dès que je vois des trucs comme ça, j'appuie. Mais tu vois, la capture d'écran sur PlayStation...
tu dois laisser appuyer sur le bouton. Honnêtement, des fois, ça ne marche pas. Ça met 15 secondes. Bah, tu te dis, la scène, elle est passée. Tu es dégoûté. Tu es en jeu. Tu as une bagnole qui arrive. Tu dis, vite, vite, capture d'écran. Le temps qu'il te la fasse, la bagnole, elle est déjà 3 km derrière. Enfin, c'est des petits détails. Mais ça, c'est le genre de truc qui peut me hyper. Si j'appuie sur un bouton, que ce soit Xbox ou PlayStation, ma capture d'écran, elle est prise tout de suite. Instantanément, je vais dire, ça, c'est bon. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui me plaît. Après, les gens ils me font rire. Oh, tu vas pouvoir jouer à 5 jeux en même temps et les charger tout de suite. Moi, je suis pas du genre à jouer à 5 jeux en même temps. J'ai même du mal à comprendre, tu vois. Ah, je suis sur Ori. Ah, bah tiens, je vais aller me faire un God of War. Bon, je fais exprès de mettre un jeu Xbox avec un jeu PlayStation. Mais tu vois, comme quoi tout le monde est différent. Moi, à titre personnel, je m'en fous totalement de cette option qu'il n'y a pas de temps de chargement quand tu lances un jeu. Ouais, c'est cool. Souvent, c'est le moment où tu te dis je vais aux toilettes, je bois un verre d'eau. Enfin, je veux dire, c'est... c'est clair. Oui, c'est juste pour faire vendre. Hein. Ouais, l'interface, c'est pareil. Je te dis, je ne suis pas forcément hypé parce que bizarrement, j'y passe pas beaucoup de temps, moi, dans l'interface. Moi, j'allume ma PlayStation, je prends ma manette, je mets mon jeu, je vais sur le jeu, je lance le jeu. Donc, tout ce qu'il y a autour, un coup de temps en temps, je regarde mes trophées. Je trouve que du niveau PlayStation, c'est même con. J'ai trouvé ça mieux fait. Je regardais plus souvent mes trophées PlayStation que mes succès Xbox, tu vois. Comme quoi, par contre, d'un autre côté, mes captures d'écran, de temps en temps, je regarde mes captures d'écran. C'est rare que je sois dans l'interface. Hein. Si les stores, le store, PlayStation Store, ouais. Xbox Store, là voilà. Là, tu as envie d'une interface qui pète, qui soit beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Sur PlayStation, moi, j'en ai marre du clavier virtuel où tu es obligé de taper. Tes mots là avec tes lettres et tout, tu veux faire un accent, faut descendre, aller sur la flèche, machin. Enfin, c'est chiant, honnêtement, c'est chiant. Donc, je sais pas, tu vois, mais, alors peut-être que ça existe, mais tu vois, ne serait-ce qu'un clavier sur ton téléphone, peut-être ça existe, hein, peut-être je vais dire ça, puis les gens vont regarder la vidéo, vont dire ça existe depuis 8 ans. Mais je me suis toujours dit pourquoi on ne peut pas taper nos messages sur PlayStation avec notre téléphone, tu vois. Tu fais une appli, je sais pas, alors bon, ils vont me dire ça existe le chat PlayStation, mais. Quand tu fais des recherches sur le PlayStation Store, moi j'adorerais prendre mon téléphone, taper Spider-Man. Alors que là tu fais S, P, I, machin. C'est ça que j'attends dans l'interface. De la fluidité, de la rapidité. Le reste, on s'en fout honnêtement. Que le fond d'écran, ils soient en 4K ou en machin, les gens me font rire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, aujourd'hui, le fond d'écran sur PlayStation, je sais pas en quoi il est, sur PS4. Tu mets un thème, c'est magnifique, t'es content, enfin, je veux dire, je sais même pas si c'est de la 4K ou pas de la 4K, ça c'est pour chipoter, les gens, ils aiment bien casser oui, du sucre. Oui, c'est vendeur, c'est pour, voilà, ouais. C'est pour vendre. Mais le côté communautaire, on va dire que c'est ce que j'attends le plus, le côté communautaire, voir un peu comment ils vont intégrer tout ça, c'est la mode. D'accord. Du coup, on a 42 minutes. Donc, pour finir, du coup, ma petite question que je pose tout le temps, tes futurs jeux que tu aimerais avoir sur les deux plateformes ou que tu attends, qui sont déjà annoncés? Y en a tellement. J'ai fait les vidéos. Bon, on a déjà parlé des jeux que j'attends à court terme. Donc là, je vais parler des jeux que j'attends peut-être plus sur le long terme. Alors, forcément, Horizon et God of War... Il n'y a même pas photo, je ne cherche même pas à comprendre. C'est Day One, absolument. J'ai adoré les deux. God of War, même si le dernier épisode est pour moi, a été pour moi une petite déception, je ne vais pas mentir. Je fais bientôt une vidéo sur la chaîne de mon ami Fox, Parlons peu, parlons jeu, où j'explique tout ça. Mais ce n'est pas un mauvais jeu, je n'ai jamais dit que c'était un mauvais jeu. C'est simplement que pour moi, God of War, ça représente tellement de choses, les God of War. J'ai tous les God of War. C'est la seule saga où j'ai tous les jeux. Tu vois, dans ma chambre, dans mon étagère, j'ai tous les jeux God of War. Et il n'y a que ça, je ne suis pas trop collectionneur. Moi, j'aime bien les figurines, les jeux, je m'en fous. Et j'ai tous mes God of War. Et le dernier, il est excellent, c'est un super jeu, mais au fond de moi, ce n'était pas un God of War. Tu vois, pour moi, un God of War, c'est du beat'em all, sauvage, hyper sanglant, hyper bourrin. C'est un avis très 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 personnel. Donc j'attends le God of War 2. J'espère que bon le côté voilà le gentil papa avec son fiston c'est bon, l'a connu, on a donné. J'espère que cette fois-ci ça va être un peu plus barbare quoi, un peu plus sauvage. Horizon, je l'ai adoré. Horizon, j'ai même, tu vois, on dit toujours faut savoir accepter la différence de point de vue. Heureusement, hein, à 40 ans tu le comprends. C'est que il faut tout pour faire un monde. Et heureusement. Mais tu vois, Horizon, quand quelqu'un me dit c'est nul, j'encaisse beaucoup. Parce que Horizon, je l'ai tellement trouvé parfait. Mais tu vois, je l'ai fait une première fois, j'ai joué 3 heures, je l'ai trouvé mauvais.
Et c'est seulement au bout d'un an, 1 an et demi que j'y suis retourné et que j'ai dit, mais comment j'ai pu dire que c'était mauvais? Il faut vraiment prendre le temps d'entrer dans l'histoire, mais je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai pas d'autres mots, je l'ai adoré, c'est vraiment adoré. Donc le 2, je l'attends impatiemment. Ensuite, bah, Quantic Dream, c'est mon studio préféré. Donc Quantic Dream, c'est le jeu que j'attends le plus. Moi, n'importe quel jeu, mon rêve, ça serait un remake de Fahrenheit, mais bon. À mon avis, ils ne le feront pas, mais un Quantic Dream, là, je serais fou. Il y a Kojima qui vient d'annoncer un nouveau projet. Bah, je suis totalement barge de Death Stranding, donc j'ai même pas de mots quand je parle de Death Stranding, donc je veux absolument un Kojima. Sur Switch, je ne suis pas joueur Switch, mais forcément, moi, il y a Zelda. Link's Awakening, quand il a été annoncé, c'est toute mon enfance, en fait. Toi, tu es jeune, tu sais pas ce que c'est, mais. Mais je veux dire, quand tu auras 40 ans et que tu vas entendre des petites sonorités de jeux auxquelles tu jouais quand tu avais 10-12 ans, ça va, c'est bizarre la nostalgie, c'est bizarre comment ça fonctionne. Et moi, quand j'ai entendu l'année dernière les notes de Link's Awakening, moi, je sais pas mon délire, Mario, tout ça, j'ai donné quand j'avais 12 ans, je m'en fous aujourd'hui de Mario. Et j'ai rien contre Mario, je veux dire, je suis persuadé que je prendrais le temps d'y jouer, je trouverais ça génial. Mais c'est pas le genre de jeu auquel j'ai le temps de jouer. Actuelle. Et ben bizarrement, quand j'ai entendu 3 notes de Link's Awakening, c'est devenu ma sonnerie de portable, c'est devenu ma sonnerie de réveil. J'ai acheté le jeu Day One, je l'ai fini en 3-4 jours. Enfin, c'est tellement de nostalgie. Donc aujourd'hui, s'il y a un jeu que j'attends plus que tout au monde, c'est le remake de Zelda Link's Awakening ou alors Ocarina of Time. Enfin, un remake des Zelda pour celles et ceux qui ne les ont pas fait, en plus, leur permettre de les faire. Ocarina of Time, il y a énormément de joueurs qui ne les ont pas fait. Link's Awakening, enfin, Link to the Past, j'avais quoi? J'avais 12 ans, donc t'imagines, il y a 90% des joueurs aujourd'hui que je croise sur Twitter qui n'étaient même pas nés. Mais Link to the Past, enfin, c'est faut absolument que les gens jouent à ce jeu. J'ai pas de mots, c'est un peu comme le FF7, tu vois. C'est des jeux. Imagine, c'est un peu les gens qui, dans 20 ans, diront GTA 5, oh là là, mais GTA 5, c'était tellement au-dessus, tu vois. Et c'est vrai que. Voilà, j'exagère tout. Quand j'exagère tout, ça veut dire que vraiment, je suis motivé. Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est que le jeu que j'attends le plus de tout ce qu'on nous montre, ça serait un remaster de Link to the Past, même si c'est en 2D toute pourrie, j'en ai rien à cirer. Mais c'est vraiment ça que j'attends le plus au monde. Alors là, je serais dingue. D'accord, bah oui, Death Stranding, ouais, c'est à mon avis. Après, je sais pas si ça va être Death Stranding pour Kojima, parce que Ouais, je s'il paraît, pense pas. c'est peut-être une nouvelle, ouais, c'est peut-être une nouvelle, un nouveau projet, hein, donc Ce sera un jeu d'horreur. Il y a 9 chances sur 10 pour que ce ouais, je soit un jeu pense. d'horreur, c'est sûr. Bah, le mec, attends, il a toujours voulu faire un jeu d'horreur. Il a essayé avec Silent Hill Pity. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je l'ai découvert il y a un mois, Silent Hill Pity. Ouais. C'est. T'es en stress total. Enfin, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur comme j'ai jamais eu peur. J'ai baissé les yeux. C'est le seul jeu où je dirigeais la caméra vers le sol pour regarder mes pieds, quoi. Enfin, j'osais pas lever les yeux tellement je flippais. Et tu te dis, quand t'arrives à faire ça, mais t'es obligé de faire un jeu d'horreur. Et tout le monde Ouais. l'attend. Tout le monde l'attend. Peut-être, ça y est, il a peut-être une petite flamme qui s'allumait. Il a une idée de fou qui est en train de mûrir en tête. Mais. Moi, je serais vraiment pas surpris que ce soit un jeu d'horreur. Ça serait un carnage total. Ça serait des ventes à gogo. Ouais, je miserais bien sur un jeu d'horreur. D'accord. Eh ben écoute, Jérémy, je te remercie. Du coup, on peut Merci te à toi. retrouver où? Ouf, moi je suis partout, c'est ça le problème. Principalement sur YouTube, hein, donc la chaîne Famille de Geek, 2 avec un 2. Donc principalement, ensuite on a une chaîne Twitch, Famille de Geek également, qu'on n'utilisait quasiment pas. Et on a décidé dorénavant de l'utiliser plus souvent. D'ailleurs là on va être en congé, je pense qu'on va faire pas mal de live. Parce que j'ai pas le temps de jouer. Je fais trop d'émissions, donc j'ai pas le temps de jouer. Donc je me suis dit, bah, si on faisait une émission où on jouait, tu vois, pour essayer de gruger un peu tout le monde. En fait, pendant que je Ah, joue, si c'est les gens ça. se mettent à regarder, alors là c'est parfait pour tout le monde. Donc je pense qu'on va essayer de faire évoluer notre chaîne Twitch. Parce que j'étais pas multijoueur, ça n'a jamais été mon délire le multi. Mon fils est méga multi, moi pas du tout. Et bizarrement, avec cette chaîne, je croise tellement de passionnés qui deviennent des copains. Ben, je veux dire, quand je vais sur Sea of Thieves, c'est pas du tout le jeu que je vais voir. C'est mes copains sur un bateau pour qu'on fasse le con sur une île déserte, quoi. Et ça,
n'y a pas de mots. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur Twitter que je me suis fait le plus d'amis passionnés. C'est là où je suis tout le temps. Donc Twitter, Pithiviers, hein, il n'y en a pas 50 000 avec un pseudo aussi pourri. Après, il y a Discord, mais ça, c'est mon fils qui gère. Moi, j'y connais rien à Discord, donc j'essaye de dire bonjour, de mettre des petits messages, tout ça. Enfin, je te dis, c'est un peu bordélique parce que la chaîne n'a que 6 mois et on ne s'attendait pas du tout à ce succès. Alors même si, attention, on reste les pieds sur terre, 1 000 abonnés, je veux dire, on n'est rien du tout. Mais on n'a pas envie de décevoir, quoi. C'est ça. Moi, j'ai envie de prendre mon pied, j'ai envie de m'éclater avec mon fils, c'est notre priorité. Et si en plus on se trouve des copains passionnés qui s'éclatent, bah, alors là, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc ça, c'est notre priorité. Donc YouTube, Twitter, après tout ce qui est Instagram, Discord, vraiment pour le plaisir, pour le fun, pour dire de rester un jeune malgré mon vieil âge. Oh, il y a encore des années. Ouais, c'est clair. écoute, je te remercie. Du coup, je mettrai sous la vidéo, je mettrai tes liens pour te retrouver. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Et voilà. Merci. Donc, un passionné de jeux vidéo, encore un. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres lives, Jérémy. Eh bien écoute, moi je t'invite avec grand plaisir dans l'une de nos émissions, donc soit le Point Actu Live qu'on fait quasiment hebdomadaire, soit une radio geek. Alors tout ça va bientôt évoluer, je vous donnerai plus d'infos d'ici quelques temps, mais il y aura toujours de la libre antenne sur la chaîne et tu peux me contacter sur Twitter en MP pour participer avec grand plaisir. Ça marche. Et je te remercie pour l'invitation. Et puis je te dis à plus tard et porte-toi bien. Et puis joue Merci, bien. surtout, surtout. Ouais. Portez-vous bien, c'est le principal en ce moment. Tout le reste, c'est secondaire. Voilà, c'est clair. Et du coup, bon next gen et puis profite bien de la PS5 et de l'Xbox Series X. Vais me faire plaisir, merci. Allez, salut Salut! Jérémy.